box, j'ai trop hâte. J'adore cette box, franchement. Waouh, je suis en train d'ouvrir. Qu'est-ce qu'elle est belle. Alors, quand on ouvre, ça se présente comme ça. C'est chouette, hein. Bon, je vais faire attention. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. C'est comme les autres box que je prenais avant. Je ne regarde pas du tout. Je n'avais pas arrivé à la sortir. Alors, le principe de la T-Box, pour celles qui ne connaissent pas, vous avez une box à 19,99€, les frais de port compris. Et il y a toujours un thème. Et franchement, ça fait deux box, que je commande. Et je vais vous montrer les deux premières. Et je suis jamais, jamais déçue. Et ça respecte vraiment au niveau du thème qu'ils donnent à leur box. Vous avez, donc c'était la première que j'ai commandée, celle-ci. C'était un peu sur polar, l'intrigue. Là, vous avez celle du mois dernier, c'était sur la tendresse. Vraiment génial. Avec des super découvertes de thé, vraiment, mais top. Oui, j'aime le café, mais je bois le thé à 16h. Et j'adore découvrir plein de nouvelles saveurs. Je vois dans la thé box du mois de mai, j'ai découvert plein de nouveautés avec des nouvelles saveurs. Et franchement, génial. Et ce que j'aime en plus dedans, c'est qu'ils respectent au niveau donc, de leur packaging, mais au niveau du thème. Et aussi, comment dire, tout, je trouve que c'est recherché, quoi. Tout est recherché. Il y a toujours un petit goodies dedans, enfin un petit façon de parler. Dans la première boîte, c'était carrément un infuseur où on mettait son thé, avec des petites gourmandises. La deuxième, il y avait des gourmandises, mais il y avait un plateau. Là, je ne sais pas du tout. Donc, pratiquement, je crois sur l'autre aussi, oui, on a toujours à l'arrière, comme dans les livres, parce que pour moi, ça me fait penser vraiment à chaque fois à un livre. Oh, elle est bien pleine, hein. Et il y a toujours quelque chose d'écrit. Donc là, vous voyez, aérienne, vertueuse et bénéfique, les plantes s'entremêlent pour nous faire du bien. Ce que j'avais pu voir, c'était la box détox. Infuser et s'alléger en sirotant un bon thé, redécouvrir les bienfaits ancestraux sous un jour nouveau, voilà le programme. Voilà, c'est le coffret détox. Vous fait découvrir les perles rares des mélanges bien nets, aussi yummy que healthy. Donc c'est bien, parce que je ne connais pas du tout de thé détox. Alors c'est parti, comme les deux autres box, je vous montre et on en parle. Donc c'est parti, on va l'ouvrir et on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Waouh, waouh, waouh. Alors, on regardera ça après ensemble et je vous montre le contenu. Il y a plein de choses. Ah, et ce mois-ci, on a une tasse. Génial. Allez, je vous reprends et on en alors à l'intérieur, on va retrouver le menu. Il est vraiment trop beau. On est vraiment dans le thème, les fruits, les herbes. Il est vraiment très coloré, mais il est. Je vous dis, mais moi à chaque fois, je suis sur le derrière. Alors on retrouve une petite carte. Souvent, ils mettent aussi des cartes, donc c'est plutôt sympa. Hein. Après, on fait ce qu'on en veut. Happiness. Et là, c'est quoi ça? Ah là, ils nous ont mis par rapport à la tasse, parce que donc on a une tasse en goodies. Voilà. Et à infuser, douceur rafraîchissante, un mélange bio sans caféine qui aide à la digestion, apaise l'esprit sur une base de rooibos, les feuilles de mélisse, de menthe poivrée, de fleurs d'hibiscus, de sureau, de bleuet, de tilleul à citronnelle. Caresse les paupières lourdes et détendues pour une nuit sereine. C'est en soirée. Histoire de thé. La marque Detox a été créée en 2013 à Berlin par deux amis d'enfance, Michael et Félix. Voilà, donc je pense qu'on va retrouver le thé Detox un peu plus loin. Alors, dans un premier temps, tout en haut, on va retrouver des thés du Dr Stuart. Alors là, je ne connais pas du tout. C'est des sachets, ça se présente comme ça, on en a quatre. On a le Green Tea Ginger Sweet Weed. On a le Skin Purify. Voilà. On a le Slim Plus et le Detox. Juste en dessous, on va arriver à trouver Ortie Piquante. Alors, je vais tester, mais je ne suis pas sûre que je vais aimer. Hein. Ortie détente. Ortie piquante.
ça va me détendre. De la marque Herbie, dans un petit sachet. C'est souvent qu'ils mettent des petits sachets comme ça, vous découpez, ensuite vous refermez. Et là, qu'est-ce que c'est ça? Oh, je pense que c'est un goodies. Emily Fruit Crisps Crunchy Banana. Banana. Je pense que c'est un goodies. Je pense que c'est des chips de banane. Donc, il y a toujours des goodies dedans. Ensuite, en haut, on va retrouver d'autres thés de la marque Clipper. Donc, un thé détox, un thé vert, fleur de sureau, fenouil, agrumes. Donc, il y en a deux comme ça. Et on va retrouver pour les belles gambettes, fraises, sureau, infusion, comme ceci. C'est vraiment détox, hein, là, il n'y a pas de souci. Hein. Ensuite, on va retrouver un autre thé, MD, l'autre thé, biodétox, mélange de thé blanc, thé vert au citron, prêle, feuille d'ortie, citronnelle, des vertus diurétiques et dépuratives qui régénèrent et purifient le corps. Ça se présente comme ça. Alors moi, je suis vraiment pressée, c'est de... Justement, tout cet élat de détox, de savoir le goût en fait qu'ils ont. Ensuite, ben voilà, ça c'est apparemment pour boire avec ça, la Titox Skinny Detox. Présente dans un sachet aussi. Hop, et là on retrouve, moi j'y connais rien, la sauge, le bénéfique sauge, comme ça. Je sais pas, donc ça va, je pense que ça a peut-être été écrit dans le cahier des saveurs à quoi ça va servir, parce que je sais pas du tout. Ce qui est bien, là, ils font tiens une journée. Je suis en train de lire, ouais, je pense que c'est ça en fait. C'est pour mettre en décoction. Ils font une journée détox et ils expliquent bien. Tout l'été, à quel moment, si c'est en soirée, si c'est en journée, la température, enfin, tout ça, quoi. Il y a des petites recettes, enfin, vraiment top. Et ensuite, il nous reste... Oh, il y a encore des goodies. Bon, ils ont un petit peu mal, mais bon. Bio snack muesli. Des gâteaux qui se présentent comme ceci. Et c'est avec un thé vert Aloha de Tamia et Julia. Ben moi j'aime bien leur thé à elles, hein, parce que déjà c'est ceux que j'adore. Là je pense que je vais aimer thé vert au jasmin, basilic, hibiscus, gingembre, graines de coriandre, fleurs de groseille, goyave, pomme et aloe vera. Là je suis curieuse de goûter ça. Donc avec le petit goodies là qui va, c'est vegan, qui va avec. Voilà. Ben écoutez, pour moi c'est encore une belle découverte cette box. Franchement, j'en suis vraiment amoureuse et je peux que la conseiller. Alors voilà, franchement top. Donc là, j'adore regarder après tranquillou les petits le petit bouquin, le petit menu avec chaque nom d'été et à quoi ça correspond. Et ouais, l'histoire d'été, j'aime bien, et ainsi de suite. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis au mois prochain pour découvrir la T-Box du mois de juillet. J'adore, je vous dis à bientôt. Smile and Zen.